Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 5, partie 1 de Resident Evil Révélation. Bonne vidéo à vous! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Foutus terroristes! Et maintenant, ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Raymond! Le cadavre que t'as vu tout à l'heure. Envoyez une équipe à Baikonen Moki. Il faut trouver ce bateau, Brian. Je vais envoyer Quint et Kiss. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Ah. Amenez tout ce que vous trouverez sur Beltro. Ici Jackass, on est à l'aéroport de Valcoyne Moki. Ici Forkball, bien joué. Faites un repérage de la zone et poursuivez votre mission. Alors, comment vous voulez qu'on procède, O'Brien? À vous de voir, faites comme bon vous semble. Vous en avez mis du temps. Eh, au moins on est là. Quoi de neuf sur Veltro? Je sais pas, on n'a rien trouvé. Pas d'indice, rien. Et donc? Il y a une pièce souterraine. On s'apprête à la prendre d'assaut. Bien, c'est un boulot rêvé pour nous, ça, hein, Grinder? Eh, attendez, on n'a pas encore reçu le feu vert. C'est bon, on s'en occupe, ok? Et puis, quand il s'agit de remonter une piste, mon copain, là, c'est le meilleur. Eh, hey, je suis juste là, Grinder. Alors, t'as suivi Jessica chez elle? Tu sais où elle habite? Presque. Je l'ai suivi jusqu'au bout, mais je l'ai perdu près de... Hé hey! Tu me prends pour un pervers, c'est ça? Tu m'étonnes. Allez, en avant. Ouais. On dirait qu'un truc va surgir. Allez, hop, c'est parti. Donc un petit coup de scan. Donc on incarne un nouveau personnage. Donc c'est assez sympa dans ce Resident Evil parce qu'on incarne quand même pas mal de personnages différents. C'est assez sympa, on voit à peu près ce que toute l'équipe du BSA... Ben vas-y toi, casse-toi la gueule, on dira rien. C'est pas toi qui disais qu'il fallait être discret. Ouais, donc c'est pas mal d'interpréter plusieurs personnes de l'équipe. Comme ça, on voit à peu près ce que tout le monde fait, tout. Donc ouais, je trouve ça assez sympa par contre. Alors... Ok, là y'a rien. Y'a rien. Y'a des munitions, je veux dire. Ok. Du sang... Oh là. Ouais, des petites traces de griffes sur le mur. Du sang. Ok. Bon, y'a rien. Du sang. Pourtant, j'aurais une lumière jaune, quoi. Le point jaune, mais. Ouais, bon, on descend. Je sais pas où qu'il est, ce. Ouais. Bon, c'est pas grave. Ah! Mais c'était pas celui-là. Donc là, la porte est verrouillée. Il y a une petite boîte avec une petite lumière rouge. Donc, ouais, bon, là, on va directement aller dessus. Ok. Alors. Si on va laisser là. Non. Ouais, on va plutôt bouger. Celui-là.
Même si... Et voilà. Alors... Allez, hop. Et bien voilà, il était là ce petit point jaune qu'il y avait sur le scanner du Genesis. Grenade, ok. On va peut-être pouvoir débloquer la zone verrouillée. Et voilà, c'est ouvert. Hein? Les caméras ont filmé quelque chose. C'est ce que j'ai récupéré grâce aux caméras. C'est un cargo, ça. Est-ce que tu crois que c'est Veltro? Wow! T'as vu ça? Une arme biologique? Ouais, ils ont un petit problème. Continue comme ça, et... Oh! Ils pouvaient pas s'en sortir. D'après l'heure, ce crash s'est passé en même temps que celui que Chris a signalé. C'est ici? J'ai l'impression que c'est... Waouh! C'est quoi ce truc? C'est un poltergeist! Hé, Quint! Je change de caméra. On va voir où ça va. Il est vivant, celui-là. Chut, tais-toi! Hé, c'était quoi ça? Je t'ai dit de te taire! Oh! Oh! Ah, y a un truc là-dedans! Je sais pas quoi, mais on peut pas le voir! Oh! Oh! Oh, dégueu! Hé! Il a pas fait tomber un truc! Cette vidéo est vraiment réservée à un public adulte. C'est un vrai film d'horreur. Une des victimes a laissé ça là. C'est quoi? Bon, s'ils nous collent des ennemis transparents maintenant, invisibles, putain, ça va être la galère, ça. C'est dire que le truc, il peut être n'importe où, quoi. Alors, ça... C'est l'endroit qu'on voit dans la vidéo. Ah, ok, de 1, ensuite... Nickel. Ah. Heureusement que je me suis trompé de bouton, parce que sinon j'aurais pas vu l'empreinte de main. Ok. Ah d'accord, c'est que ça nous ramène carrément là où il y avait le monstre invisible en fait. J'avais pas calculé sur le moment. Ouais, j'espère qu'il est parti. Ouais, en même temps, je pense qu'il aurait été là, il nous aurait attaqué depuis longtemps. Il a perdu un truc au moment de mourir. Donc là, c'est verrouillé. Ah ben non, oui, c'est vrai. C'est que quand les gens parlent, tu peux pas faire d'action. Ensuite, tes grenades, c'est bon ça. Ensuite, ah ben voilà, ok. C'est un jeton de sécurité. Je devrais pouvoir pirater le réseau principal de l'ordinateur de l'avion si j'arrive à extraire le code web de cette clé. J'ai rien compris. Mais vas-y, fais-le. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cargo. Là, j'ai compris. J'en ai vu assez. Allons sur le site du crash. Voilà, c'est fini. Bon, ben l'épisode 5, partie 1, c'est fait. Donc, une courte vidéo, hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas, hein, mettez un j'aime, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez laisser un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à vous !